Salut tout le monde, c'est moi Stylé Québécois. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Star Wars République du côté obscur de la Force, comme d'habitude. Et cette fois-ci on se retrouve pour continuer en fait la même chose que ce qui s'était passé dans la dernière épisode, c'est-à-dire terminer la zone étudieuse, la bataille pour Illum. On est juste devant, je vais la tenter tout seul, honnêtement. Je le sens pas du tout, mais je vais le faire quand même. Mais si ça marche pas, je vais me chercher. Veuillez patienter pendant le scan de contrôle. Bienvenue, le général Esker vous attend dans le hangar. Génial. Il vous déposera sur la ligne de front. Les forces d'invasion de Dark Malgus pénètrent déjà le territoire impérial. C'est parti. Je sens tellement que je vais en chier. Parce que les boss sont assez durs dans les zones jugeuses. Je suis genre niveau 48 alors que la planète c'est genre du niveau 50. Je vais tellement mourir. Je le sens pas, mais je vais le faire quand même. Je vais essayer. Si je réussis à le faire tout seul, bien tant mieux. Sinon, ben tant pis. L'Empire est un symbole de puissance, de respect et de pureté. Dark Malgus ne doit pas corrompre cette image. Donnez-en l'ordre, et nous ouvrirons le feu sur l'armée d'invasion de ce traître. Il n'y a que deux façons de revenir. Dans ce chasseur furtif, ou dans un sac mortuaire. Un général de la garde impériale ne recule pas devant la difficulté. Une fois le champ de bataille franchi, je vous déposerai dans les tranchées. Ensuite, je fournirai un appui aérien. Allez au combat. Malgus, le traître, va de nouveau craindre l'Empire. Détruisez l'armée du traître. Je vous couvrirai.
Oh!
réapparaissent pas devant la scrumptueuse, donc ça devrait le faire. Attends, je suis où là? Je suis pas à l'autre bout. Mais non! Pas sérieux? Genre, ils me font réapparaître ici. C'est dégueulasse. Station de véhicule ouverte. Passez un excellent séjour. Je crois que je vais faire une ellipse le temps que je me trouve quelqu'un ou quelqu'un d'autre pour venir m'aider, parce que honnêtement, vu comment je viens de me faire massacrer et comment ma vie descendait beaucoup trop vite, je pense pas que je vais réussir, donc à toutes.